Hello, tu m'entends? Oui. Apparemment, je peux pas activer ma caméra. Ouais, j'essaie Tu peux regarder. de modifier ça. De modifier ça. Sinon, tu peux peut-être me nommer comme co-host. Hein. Ouais, c'est ce que je vais faire. Il doit y avoir une option. Ouais, ok. Par contre, je me vois pas. Tu me vois, toi? Ouais. Attends, parce que pourquoi je me vois pas? Pourquoi je me vois pas afficher la vignette? Ok. Je voulais mettre un fond un peu plus joli parce que là, c'est pas terrible. Un flou. Très bien. Non, je peux l'enlever. Je pourrais me mordre ma tronche. Ça, je te vois toi en grand. Tu peux mettre les slides pour voir? Ouais, je suis en train. On a déjà quelques spectateurs. Très bien. Je vais rajouter une slide juste d'introduction sur les enjeux écologiques avec juste une photo, juste pour que je démarre la première phrase avant d'arriver sur la slide des températures, non, des émissions de CO2. Je puisse commencer la première phrase d'introduction avant, et donc je vais dire de toute façon tu vas l'entendre, je vais parler du. Voilà, attends, là c'est en grand. Ok, super. Toi, il faut que tu l'affiches en grand, parce que là, je vois les slides sur le côté. Tu Oui. l'affiches en mode diaporama. Par contre, une fois, vas-y, fais-le, mets-le en mode diaporama. Est-ce que tu peux bien switcher toi? Tu veux qu'on fasse un petit test rapide? Ok, donc là, je vois bien la première slide. Et là, je vois la deuxième, troisième, enfin voilà, etc. Et toi, tu peux switcher entre-temps sur d'autres choses? Alors, Là, ça. je vois un petit carré, un petit truc rose qui s'affiche, mais c'est pas très gênant. Et Ça de pas petites gênant? petites barres roses en haut et en bas. Là, t'as switché sur une autre fenêtre, là? Ouais, C'est tout ça? à fait. Ouais, bon, c'est juste une petite barre rose en haut et en bas, mais c'est pas très grave. Et tu reviens, si tu reviens sur le truc. Ouais, il y a eu un petit glitch à un moment donné. On a vu ton fond d'écran, mais c'est pas très grave. OK. Vas-y, ouais, et reviens.
On revient sur les slides. Bon, il y a toujours les petites barres. Ah ouais, il y a eu un petit. Bon, ça fait ça, il y a l'image qui saute légèrement, mais c'est pas catastrophique. Je me suis noté sur un papier les timings, le début au moins. Vais noter des restes hein, d'ailleurs, tant que j'y suis. Treize heures treize. Ok. Hop, faut qu'on démarre à, comme on a dit, hein, à 13h34, on commence les présentations, même si il y a encore du monde qui commence à rentrer. Tu m'entends, Alexandre? T'es en mute, hein? Oui, je t'entends. Ok, super. Et effectivement, ça va être le moment de commencer. Ouais. Et Puisque. on pourra commencer, on démarre à 10, à 34, même si ça Oui. continue à arriver au fur et à mesure. Effectivement. Donc, bonjour à tous ceux qui êtes là aujourd'hui. Et merci, un grand merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire qui a pour thème la transition écologique dans l'industrie. Et avec Olivier, on va se charger un petit peu de dégrossir le sujet et de vous présenter les bases de ce qu'est la transition écologique. En attendant que tout le monde entre, effectivement, Bonjour. on a prévu de commencer dans 3-4 minutes. Et en attendant, on voulait vous poser la question à tous qui êtes présents, de mettre un mot dans le chat sur ce qu'est pour vous la transition écologique. Donc, vous pouvez nous partager ça, si vous le voulez bien, si vous êtes d'accord, dans le chat, sur ce qu'est la transition écologique. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? C'est quoi les mots-clés que ça évoque? Bonjour, bonjour aux nouveaux arrivants. On attend quelques petites minutes avant de démarrer ce webinaire. Et en attendant, on vous propose de mettre dans le chat quel mot-clé évoque pour vous la transition écologique. Si on vous parle transition écologique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce qui vient à l'esprit pour vous? En attendant le début, effectivement, vous pouvez partager ça. On va commencer dans 2 minutes. Si vous voulez bien, effectivement, partager vos mots, ce qu'évoque la transition écologique, vous pouvez le faire dans les questions et réponses ou bien dans le chat, Alors, effectivement. apparemment, Alexandre, le chat est désactivé. On nous dit dans les questions-réponses. Hein. Oui. Merci. Ah oui, mais Merci désolé pour beaucoup. l'heure. Désolé. Bah, sinon, dans les questions-réponses, oui.
Tu Peut-être peux dans les quoi? questions-réponses, on pourra en tenir compte. On reviendra tout à l'heure là dans le cours de la discussion sur ces éléments, ces questions introductives. Donc vous pouvez pour obtenir les questions-réponses, vous pouvez regarder en bas à droite, peut-être que vous avez trois petits points marqués plus, et là il y a marqué QR, questions et réponses, et vous pouvez indiquer des éléments là-dedans. Alors je vois sobriété, gestion des énergies, environnement. Décarbonation des activités, effet climatique. Oui, merci. Transformation des modèles d'affaires, respecter les limites planétaires, réduire ses consos énergétiques, réduire ses déchets. Très Merci bien. pour vos partages. Bonjour aux nouveaux arrivants. Pour ceux qui n'ont pas entendu, on demandait d'écrire dans les questions-réponses. Quel mot-clé évoque pour vous la transition écologique? Vous pouvez continuer à le faire pendant qu'on commencera les présentations. Encore quelques instants pour partager, et puis on va pouvoir commencer à se présenter avec Olivier. Si vous voulez continuer de partager pendant qu'on se présente vos premiers mots sur la transition écologique, n'hésitez pas. Sur ce que ça représente pour vous, vous pouvez le partager ça en questions-réponses. Et donc, pour introduire le sujet, donc moi je suis Alexandre Cornu, directeur du département Climate Leadership chez Connection Leadership. Et donc je m'occupe de ce département qui aide les entreprises à faire leur transition écologique, sujet qu'on va donc aborder aujourd'hui. Et le but, c'est de pouvoir les accompagner à travers à la fois du conseil, de la formation et du coaching à toutes les étapes de leur transition. Et je te laisse la parole, Olivier. Merci Alexandre. Donc moi je suis Olivier Ménicaud, je suis responsable pédagogique pour Climate Leadership, en particulier pour le programme de formation avec l'OPCO2I. Et puis depuis 3 ans, je suis coach, consultant et formateur sur tous ces sujets autour de la transformation écologique de manière générale. Auparavant, j'ai une expérience de 23 ans. Comme consultant sur les sujets digital et innovation. Merci. Donc, pour vous en dire un petit peu plus sur qui est ce qu'est Connection Leadership, c'est un cabinet qui est dédié à la transformation des entreprises, qui travaille de façon holistique sur cette transformation, c'est-à-dire que l'on travaille sur tous les métiers de l'entreprise et pour des transformations sur des sujets très divers. On a beaucoup travaillé sur la transformation digitale, la transformation des RH. Et on accompagne aussi naturellement aujourd'hui la transformation écologique, puisque c'est un sujet clé pour les entreprises. Et on l'accompagne de façon holistique, puisque on travaille à la fois sur l'apport d'éléments techniques et de connaissances poussées sur ces différents champs de la transformation, et qu'on l'accompagne aussi avec la conviction que la transformation, quelle qu'elle soit, est faite de transformation humaine. Donc on apporte beaucoup d'éléments sur comment changer les comportements humains, comment ancrer des nouvelles pratiques dans la durée, et comment les décliner à l'ensemble de l'entreprise. On travaille à travers toute la France avec un réseau de plus de 100 consultants. Beaucoup de consultants seniors avec une grande expérience de leur sujet, à la fois métier, mais aussi les sujets humains, évidemment, puisque, comme je le disais, ils sont au cœur des transformations. Beaucoup ont une double compétence aussi de consultant et de coach, le coaching étant dans l'ADN de Connection Leadership, comme étant quelque chose qui va permettre d'apporter de l'autonomie à nos clients. Et puis finalement,
Quelle est notre vision de la transformation écologique? C'est que c'est là aussi une transformation holistique. Et c'est ce qu'on va voir à travers la présentation d'aujourd'hui, c'est que c'est un sujet éminemment technique. Il y a besoin d'énormément d'évolution dans les entreprises au niveau technique et au niveau métier. Et c'est aussi une évolution humaine qui demande une transformation profonde des comportements dans la durée, puisque on va être amené, et les entreprises vont être amenées à changer énormément de choses. Et donc, c'est les hommes qui la composent qui vont jouer un rôle très, très important dans ces changements-là. Et puis, notre vision est que, du coup, pour ces changements, les émotions sont à l'initiative de ces changements, sont à l'origine de ces changements. Et derrière, la couche de technique et de concret, vont être plus pour savoir comment avancer et comment exercer ces changements. Mais ce qui va faire initier le changement et le faire bouger, ce sont vraiment les émotions. Voilà, c'est la vision de ce qu'est la transformation holistique que peut représenter la transition écologique. Et je vais passer rapidement sur pourquoi finalement on va vous proposer ce webinaire de façon mensuelle. C'est aujourd'hui la première édition de ce webinaire mensuel dédié à la transition écologique. Et finalement, pourquoi on a fait ça? Parce qu'on se rend compte que dans les diverses conversations qu'on peut avoir, en particulier dans l'industrie, mais sur tous les secteurs, on a beaucoup d'interlocuteurs qui sont soit des dirigeants d'entreprises, de TPE, de PME, soit des responsables RSE ou QSE qui ont encore pas forcément la dimension de transition écologique dans leur poste, ou encore des responsables RH. On a tous ces témoignages à l'écran, ces verbatims qui sont affichés, qui reviennent très souvent. Je ne sais pas forcément par où commencer. J'ai déjà fait des choses, mais je ne sais plus quoi faire aujourd'hui pour faire plus. Je suis un peu perdu sur les concepts et les leviers de la transition. Ou encore, j'aimerais des exemples concrets qui m'aident à me projeter plus loin. Et puis, une question qui revient souvent aussi, c'est je ne sais pas à qui m'adresser. Qui peut m'aider dans cette tâche? Et donc, mois après mois, on va vous donner tout simplement des exemples très concrets sur ce qu'est la transition écologique et sur les différents thèmes qu'on abordera. C'est à toi. Tu es en mute aussi. Merci. Ce qui me paraît important pour démarrer, c'est de regarder cette question de la transition écologique à l'aune des enjeux écologiques. Et aujourd'hui, probablement parmi vous, vous n'ignorez pas que la crise écologique à laquelle nous faisons face est un problème existentiel pour l'humanité. Même si certains de nos concitoyens préfèrent, vu l'ampleur, se voiler la face dans un déni ou d'un refus de la réalité scientifique. Et si on regarde cette réalité scientifique, on voit qu'au cours des 150 dernières années, la concentration de dioxyde de carbone a augmenté de manière significative. Si tu regardes, ouais, sur la slide suivante, les niveaux qu'on a aujourd'hui, n'ont pas été égalés depuis des millions d'années. À cause de cet effet de serre additionnel ajouté par cette concentration de gaz à effet de serre comme le CO2, mais aussi le méthane et le protoxyde d'azote, la planète s'est réchauffée en moyenne aujourd'hui de 1,2 degré et ça dépasse largement l'équilibre qui était le nôtre depuis la fin de la dernière ère glaciaire. Alors là, on a représenté sur les 2000 dernières années, mais en fait, on avait un équilibre assez remarquable depuis pratiquement 10 000 ans. Et c'est cet équilibre qui a permis l'émergence de l'agriculture et de l'ensemble des civilisations historiques. Les scientifiques aujourd'hui nous alertent depuis plus de 50 ans, mais ils sont aujourd'hui très inquiets face au manque de transformation, à la fois des politiques, mais aussi des populations. Et une étude a été publiée à l'automne dernier par un groupe de scientifiques renommés sur différentes disciplines, et ils ont fait l'état du climat en 2023. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'en vérité, nous sommes choqués par la férocité des phénomènes météorologiques extrêmes de 2023. Et nous sommes entrés dans un territoire inconnu qui nous effraie. On commence à voir, comme ce groupe de scientifiques-là, de plus en plus de ces personnes qui
montrent leur le fait qu'ils soient choqués et effrayés autour de ces sujets. Mais la crise écologique, c'est pas seulement une crise climatique. C'est une polycrise. C'est un bouleversement global, on dit systémique, qui affecte à la fois notre lien au vivant, mais tout ce qui nous entoure. La hausse des températures, c'est qu'un des éléments d'un problème plus vaste qui englobe à la fois la perte de la biodiversité, on est rentré dans la sixième extinction de masse, les pénuries d'eau, les pénuries de ressources, l'ensemble de pollutions diverses. Et tout ça, c'est finalement causé par les exigences croissantes des humains et la surexploitation de notre planète. Nous avons franchi aujourd'hui 6 des 9 limites planétaires. Et nous sommes dangereusement proches de seuils qui, s'ils étaient franchis, pourraient entraîner des spirales catastrophiques. Dans l'étude que j'ai citée tout à l'heure, les scientifiques ajoutent un petit peu plus loin, si nous ne prenons pas de mesures pour résoudre le problème fondamental de l'humanité, qui prend à la Terre plus qu'elle ne peut lui donner, nous nous dirigeons vers un effondrement potentiel des systèmes naturels, mais aussi des systèmes socio-économiques. Vers un monde caractérisé par une chaleur insupportable, des pénuries d'aliments et d'eau douce. Donc, ces éléments sont extrêmement forts et énoncés par ce groupe de scientifiques qui ne sont pas seuls, de plus en plus émergent autour de ces sujets. Et pour ces scientifiques, la crise écologique, c'est finalement la plus grande menace pour la sécurité à laquelle on a été confronté après cette période stable dont j'ai parlé. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de retour arrière, en particulier sur le sujet climatique. On ne peut pas revenir à un climat que nous avons connu comme nous étions enfants. Et ce qu'on peut au mieux faire, on va le voir tout à l'heure, comment, parce que ce qu'on peut faire autour de ça, c'est finalement ralentir les dégâts, les atténuer, stabiliser la situation au mieux, et puis nous adapter et nous transformer pour y faire face tous ensemble. Et à travers ça, bah, finalement, les pouvoirs publics, les citoyens, mais aussi les entreprises ont leur rôle à jouer. Et finalement, cette transformation, ben c'est ça, la transition écologique pour faire face aux enjeux de l'habitabilité de la Terre par les humains et faire face aux éléments. Et alors, on va vous donner une définition qu'on retrouve à la fois dans les documents de l'OPCO2I, mais aussi dans un certain nombre d'autres documents. Et on va retrouver pas mal de choses que vous nous avez dites tout à l'heure sur la transition écologique. Vous nous avez parlé d'amélioration, de changement de modèle, de transformation de l'environnement, de l'impact, des limites planétaires. Si tu affiches la définition, Alexandre. La définition qu'on vous propose, c'est une évolution vers un nouveau modèle économique et social, un modèle de développement durable qui renouvelle à la fois la façon de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble. Et pourquoi cette évolution? Bah, pour répondre aux enjeux environnementaux dont on vient de parler, ceux du changement climatique, la rareté des ressources, la biodiversité et les risques sanitaires. Je cite quelques problèmes environnementaux ici, mais finalement, un certain nombre de ces problèmes sont là. Donc finalement, cette transition écologique, comme certains l'ont dit, c'est une vraie transformation de l'ensemble de notre modèle, qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui puise sur la planète plus qu'elle ne peut nous donner en toute sécurité, et bah, pour faire face à ces enjeux existentiels. Certains parlent de transition écologique. Maintenant, ce mot est de plus en plus décrié. On parle d'autres termes émergent, mais finalement veulent dire un peu la même chose. On parle de bifurcation, de redirection, de transformation radicale. Et tout ça, ce sont des éléments pour dire qu'il y a un besoin de changement profond de notre société. On peut passer à la partie suivante. Ce qu'on voit sur la partie, si on se concentre maintenant sur les entreprises industrielles, c'est qu'il y a finalement six grands enjeux auxquels les entreprises industrielles font face. Donc, cet enjeu des émissions de gaz à effet de serre et donc l'impact climatique en est un, mais il n'y a pas que la décarbonation dans la transition écologique. Il y a aussi, on en a parlé, l'impact des matières premières, des ressources, la question de l'énergie,
qui est en partie liée à la question climatique, mais pas que, aussi une question de raréfaction des sources d'énergie, la question des consommations d'eau, donc tout ça, c'est la partie en amont. Et puis derrière, bah, les industries ont un impact sur la qualité de l'air, sur les sols et la biodiversité, et puis à travers un certain nombre de déchets et d'effluents. Et bah, la transition écologique, c'est faire face à l'ensemble de ces six enjeux, en tous les cas pour l'industrie, ces six enjeux principaux qui sont devant nous. Là-dessus, on voulait vous poser la question justement, quels sont Merci. les principaux enjeux pour vous? Si vous voulez nous les partager aussi dans les questions-réponses, on serait intéressé de savoir aujourd'hui, parmi ces enjeux-là, quel est celui ou quels sont ceux qui sont prioritaires pour vous? Donc, vous Merci. Alors pouvez. malheureusement, voilà, avec le setup d'aujourd'hui, vous ne pourrez pas voir les réponses des uns et des autres, mais si vous pouvez nous les afficher, on vous les partagera au fur et à mesure. Donc à travers ces six enjeux, et ce qu'on voit de plus en plus auprès de nos clients industriels, c'est que bah, la plupart font déjà plein de choses sur certains de ces enjeux. Alors pas forcément sur tous, pas forcément suffisant. Mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites par les industries, que ça soit sur la qualité de l'air, sur la question des effluents et des déchets, voire sur des éléments autour de la décarbonation, déjà beaucoup de choses. Et puis, bah, on le voit bien avec la crise en Ukraine et puis la crise du Covid, la question de l'approvisionnement des matières premières et l'approvisionnement énergétique est de plus en plus crucial pour de plus en plus d'entreprises industrielles. Donc, on a quelqu'un qui nous a partagé l'énergie, effectivement. Ouais, Merci pour ce tout à partage. fait. Alors, en effet, hein, la question de l'énergie, elle est centrale pour les entreprises industrielles, alors qui va à la fois sur son approvisionnement, sa possibilité d'approvisionnement, si je pense notamment au gaz ou au fioul. Pour certaines des activités, mais aussi la question du coût qui est en augmentation et qui est un problème significatif. Les déchets aussi interviennent comme. Donc voilà, finalement, selon les participants, l'ensemble des enjeux à l'écran peuvent être prioritaires. L'eau aussi, et on a une personne qui mentionne la hausse des coûts comme rendant aussi urgent le changement. C'est Ah oui, effectivement bah... l'aspect environnemental n'est pas toujours la seule motivation à agir. Ah, absolument. La question des coûts, c'est aussi une motivation importante pour la transition écologique. On Et va ça fait partie le voir juste après. Ouais. justement Bah voilà, des éléments juste exactement. après. Donc on voulait vous partager ce graphique qui est extrait de l'Observatoire de l'OPCO2I sur les compétences sur la transition écologique. Et ce qu'on voit ici, c'est que les motivations premières des entreprises au changement et autour de la transition écologique, bah, c'est d'abord les différentes contraintes externes, à la fois, alors on vient de parler des raisons économiques, la question des coûts, mais encore plus les attentes des clients et des consommateurs, alors que ce soit en B2B ou en B2C. Et puis des obligations réglementaires qui sont en augmentation significative de plus en plus à la fois en France, en la réglementation européenne aussi. Et puis derrière, bah, on voit des contraintes internes autour de l'alignement avec une stratégie RSE de l'entreprise ou les attentes des collaborateurs et des syndicats. Et puis derrière, bah, les éléments autour de la concurrence. Alors, soit pour pouvoir se différencier vis-à-vis de la concurrence, donc être en avance vis-à-vis de la concurrence, ou alors bah, rattraper son retard avec la concurrence qui a déjà évolué sur ces sujets. Et donc, il y a aussi un besoin, soit l'un, soit l'autre, d'être en phase avec l'ensemble du modèle et l'ensemble des concurrents. Et finalement, du coup, la raison économique est quand même très souvent présente, puisque que ce soit d'une façon directe ou indirecte, on se rend compte que pour respecter les attentes des clients, des consommateurs,
C'est aussi un argument économique finalement et que c'est l'argument finalement le plus présent. C'est que la transition écologique va permettre soit des gains de marché, soit des économies directes. Donc c'est très présent. Tout à fait. Alors, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est à la fois réduire nos impacts, donc réduire les causes autour de donc, tout ce qui concerne l'atténuation. Donc, on appelle ça la mitigation, l'atténuation, c'est vraiment réduire les impacts des entreprises industrielles sur l'ensemble de ces éléments de l'environnement. Et puis, la deuxième partie, c'est aussi s'adapter. S'adapter à une nouvelle situation. On est, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà à 1,2 degré. La tendance continue à être en augmentation. On atteindra probablement les 1,5 degrés en moyenne mondiale dans les années, peut-être autour des années 2030. Et cette situation, elle a besoin de s'y adapter, de gérer les risques qui sont dus et donc d'améliorer sa résilience face à l'ensemble de ces éléments. Donc là, on voit les deux faces d'une même pièce que sont la matérialité des impacts, qu'est-ce que l'entreprise cause comme impact, et puis la matérialité de ce que la planète finalement cause à l'entreprise. Et ça, ce sont les notions de double matérialité qu'on reverra peut-être dans un autre webinaire quand on parlera de la CSRD. Exactement, j'y pensais aussi. C'est Ouais. un terme qui peut être encore peut-être barbare entre guillemets pour certains, très très connu pour d'autres, mais la double matérialité est bien présente ici avec d'un côté l'impact externe à diminuer de la part de vos entreprises et diminuer les risques que peuvent représenter les changements climatiques pour votre entreprise. Alors, si on regarde la première voie, celle de l'atténuation, de la mitigation, ben on voit que il y a un certain nombre d'exemples. Alors là, c'est des exemples qui sont toujours dans le rapport de l'OPCO 2I. Beaucoup d'entreprises font déjà des éléments, des actions autour de chacun de ces enjeux, que ça soit les émissions de gaz à effet de serre en changeant son processus industriel, l'impact sur la biodiversité en installant, en réhabilitant de la biodiversité ou des programmes de sauvegarde sur la consommation d'énergie. Bon, les choses assez classiques de changement de type de chaudière, substituer une énergie par une autre. Sur la consommation de matières premières, c'est regarder ses processus industriels pour voir avec de l'éco-conception comment changer ses processus et utiliser moins de matières premières. Sur les effluents et les déchets, c'est rationaliser ses processus, effectuer du tri pour réduire derrière ces effluents. Et puis, sur la qualité de l'air, alors on est aussi sur un exemple avec des nouveaux procédés industriels. Vous retrouverez ces éléments dans l'observatoire de l'OPCO 2I avec d'autres exemples qu'on voit autour de nos clients. Mais tout ça pour vous montrer qu'il y a plein de choses possibles autour de ces éléments de transition écologique sur lesquels vous pouvez vous inspirer beaucoup de choses. Et on reviendra tout à l'heure sur des sources, des éléments sur lesquels allez vous inspirer. Ça, c'était pour l'atténuation, effectivement. Ouais, exactement. Peut-être qu'on peut juste prendre une minute là sur la slide précédente. Voilà, sur l'atténuation, ce qu'on voit, c'est qu'il y a finalement trois grands leviers autour de l'atténuation. Alors, le levier de l'efficacité, qui est souvent celui auquel on pense en premier, l'efficacité, ça va être réduire les consommations d'énergie, par exemple, de son matériel. Ça veut dire avoir une machine qui a un meilleur rendement, un meilleur rendement énergétique. La deuxième façon, celle qu'on a vue tout à l'heure, ça peut être, par exemple, de ch changer son type de chauffage, type de chaudière. Là, on est dans la transition énergétique, dans la substitution d'éléments énergétiques
par exemple de fuel ou de gaz vers soit de l'électricité ou de la biomasse, comme on a vu dans l'exemple précédent. Et le troisième levier, qui est un levier extrêmement important, c'est celui de la sobriété. La sobriété, c'est consommer moins de matières premières et d'énergie. Et donc derrière aussi produire potentiellement moins de produits. Par exemple en réfléchissant à l'ensemble des produits de son catalogue. Et donc c'est vraiment ce levier sobriété, il est vraiment indispensable et de plus en plus de personnes parlent de la sobriété, non pas comme juste un élément cosmétique qui est au niveau des citoyens où il faut juste rajouter un pull si on a un peu froid, mais la sobriété au cœur des modèles d'affaires des entreprises. Et on a l'Académie des technologies qui a fait un rapport l'année dernière sur la question de la transition écologique. Et leur premier point de synthèse, c'est que la sobriété est indispensable à court terme parce que la technologie et donc finalement l'efficacité ne suffira pas pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre notamment et réduire nos impacts significativement à très court terme. Donc cet élément de la sobriété, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver très régulièrement dans l'élément autour de la transition écologique. Et je l'ai vu tout à l'heure, un certain nombre d'entre vous, quand évoque la transition écologique, ben ça évoque cette notion de sobriété et c'est quelque chose de relativement nouveau, mais qui est extrêmement important. Sur la question de l'adaptation, donc la deuxième voie, ben, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la crise en Ukraine et la crise du Covid, il y a déjà beaucoup de choses que beaucoup d'entreprises ont mis en place. La question des fournisseurs en cas de défaut d'approvisionnement. Alors, au moment du Covid, c'était à cause d'une crise Covid, mais on peut imaginer des problèmes climatiques, des problèmes météo dans certains endroits du globe où vous avez des approvisionnements. Et il va falloir regarder, avoir un panel de fournisseurs possible pour pouvoir pallier à ces problématiques, que ce soit aussi sur les matières premières, mais peut-être aussi adapter ces infrastructures en France ou à l'étranger aux risques climatiques. Donc ça s'étudie, ça s'analyse. Il y a des études qui permettent de regarder la possibilité de survenance des risques climatiques. Les inondations, les vagues de chaleur, etc. Et puis, ça peut être aussi la relocalisation ou le déplacement de certaines infrastructures en fonction de leur situation géographique actuelle, de réfléchir à ça, à l'aune, à nouveau, des risques possibles. Et puis, ça peut être aussi l'adaptation de son activité en temps de crise, comme il y a eu, par exemple, au moment du Covid, de prévoir des plans pour les adapter en cas de surchaleur ou en cas d'inondation. Et puis, tous ces éléments, ça peut aller aussi à retravailler le cœur de son activité, le cœur de ses éléments, voire le cœur de son modèle d'affaires. Ce qu'on voit autour de cette question de la transition écologique, c'est qu'il y a un certain nombre d'étapes quand on veut mettre en place la transition écologique dans son entreprise. Alors là, on l'applique à l'entreprise, mais finalement, c'est un modèle qui a été créé par John Cutter, les 8 étapes du changement de John Cutter, qui s'applique à plein de sujets autour de la transformation et que nous appliquons autour de cette question de la transition écologique. Donc, le premier, mais et vous le voyez dans cet élément, c'est un cycle. Le point de départ, c'est créer l'urgence, créer la question de la transformation. Donc, on l'a vu hein, tout à l'heure, il y a une vraie urgence aujourd'hui écologique. Et une vraie urgence à se lancer dans la transition écologique par tous les acteurs. Puis ensuite, il y a formé, alors il appelle ça une coalition puissante, un groupe de personnes, créer ensemble une vision de là vers où on veut aller, communiquer cette vision pour derrière inciter au changement, inciter à l'action à l'intérieur de l'organisation, commencer à générer des premières victoires rapides pour ensuite pouvoir les consolider, les améliorer, ancrer derrière ses comportements de plus en plus, et puis derrière, repartir sur un cycle. Une fois que le premier cycle a été en succès, se redire, OK, peut-être qu'il y a encore d'autres choses sur lesquelles on peut aller encore plus loin et recommencer ces éléments. Donc, quand on applique ça à la transition écologique, on voit des premières actions autour de la sensibilisation, de se former,
puis de mesurer là où on en est, de faire l'état des lieux, des bilans, un bilan carbone, un bilan biodiversité, et pour former une coalition, bah, mobiliser à la fois la direction, mais aussi des volontaires, des référents. On reviendra sur ça tout à l'heure. Les actions suivantes, bah, il va peut-être réfléchir à sa raison d'être, peut-être sa mission, comme le recommande la loi Pacte, et puis commencer à communiquer à la fois en interne, peut-être derrière un petit peu, commencer à communiquer en externe. Alors, peut-être la communication externe, elle se fait après, à voir où est-ce qu'on en est, et puis mobiliser ses salariés pour inciter à l'action. Derrière, ça va permettre de générer ces actions, des premières actions rapides. Et puis, une fois qu'on commence à consolider, bah, on peut commencer à réfléchir à une stratégie, une vision systémique beaucoup plus large. Peut-être qu'on a commencé sur l'un des enjeux et commencé à se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur les autres enjeux. Et derrière, bah, travailler sur les comportements, à la fois sur la transformation culturelle à l'intérieur de l'organisation. Et réfléchir, pourquoi pas, comme je le disais tout à l'heure, pour élaborer un cycle suivant à son modèle d'affaires, voire que ça soit une évolution ou faire créer des modèles d'affaires parallèles de son activité initiale. Merci Olivier. Effectivement, ce que l'on voit à travers ce schéma, c'est que la transition écologique, finalement, c'est pas un début et une fin. C'est effectivement peut-être un début pour certains, même si je pense que pour beaucoup d'entre vous, la transition écologique est déjà amorcée avec des actions forcément qui sont en route, à minima à mettre en avant. Et le mettre en avant, c'est déjà contribuer à cette transition. Et puis, pas de fin, puisque l'amélioration qu'on va attendre de nous aujourd'hui, elle va être permanente, elle va être cyclique, comme le disait Olivier. De façon très concrète, si on prend la première étape qui était dans ce cycle, qui est la question de mieux connaître le sujet, de sensibiliser et de former. En fait, Connection Leadership est bien placé pour en parler, puisque avec l'OPCO2I notamment, on a créé un partenariat qui permet d'avoir des programmes de formation, des programmes de sensibilisation pour des entreprises qui sont à tous les niveaux de maturité. Et donc, de façon très concrète, aujourd'hui, vous pouvez être dans une entreprise dans ces trois cas de figure qui sont à l'écran. Vous n'avez pas ou peu d'actions mises en place. Vous avez la volonté d'agir ou vous avez déjà un projet de transition dans lequel vous faites peu d'investissements, ou encore vous avez la volonté d'agir, vous avez déjà bien avancé sur certains éléments à minima et vous avez la volonté maintenant de mettre en place des investissements. En face de chacun de ces degrés de maturité, il y a des outils de sensibilisation, des formations qui peuvent vous aider à avancer. Donc, dans le premier cas, il s'agit effectivement de lancer la sensibilisation avec des ateliers, d'avoir des formations qui peuvent aider à atterrir sur des premiers plans d'action. Et on parlait de premières actions tout à l'heure rapides à mettre en place. Des formations peuvent aider à aller vers cela. D'abord à savoir pourquoi on le fait, et puis ensuite, grâce à des ateliers, à mettre en place ces actions. Dans un deuxième temps, l'idée est de pouvoir organiser l'entreprise et donc d'avoir des formations qui permettent de monter en compétence à la fois sur le sujet humain. On parlait de sujet humain et de sujet technique. Eh bien, l'idée des formations et de pouvoir vous aider à progresser sur ces deux enjeux. Et puis le troisième enjeu qui est aussi l'investissement. Comment intégrer des investissements dans un plan de transition? Des programmes peuvent aussi aider là-dessus. L'idée est que, quel que soit le niveau de maturité, la formation peut aider à avancer, surtout quand elle est orientée sur de l'action. Et donc, le fait de terminer, de s'achever sur des plans d'action concrets pour l'entreprise. Une des bonnes premières actions ou actions importantes dans un plan de progression des compétences, c'est les ateliers.
Donc ici, vous avez quelques exemples concrets d'ateliers qui peuvent être mis en place par les entreprises pour mobiliser autour des sujets de transition écologique. On a les ateliers fresques du climat, les ateliers fresques du numérique ou encore fresques de l'économie circulaire, de la renaissance écologique, qui sont tous avec une approche ludique, une approche collaborative et qui ont l'avantage de prendre assez peu de temps et d'être faits pour tout public. Et ils vont être très puissants pour à la fois créer l'étincelle un petit peu et créer les connaissances de base pour l'ensemble de vos salariés. Et puis pour savoir aussi pourquoi finalement votre entreprise va être dans une situation de transition écologique. Donc c'est à la fois pour créer des socles de connaissances communs, des ateliers, et puis aussi pour mobiliser, pour motiver les salariés en leur expliquant le pourquoi vous allez être dans une transition. Aujourd'hui, avec l'OPCO 2i, dont vous êtes pour beaucoup adhérents parmi les participants du jour, et pour la plupart, on a un catalogue de formation qui s'appelle, le OPCO 2i a un catalogue de formation qui s'appelle Clé en main, que vous connaissez bien, et Connection Leadership a en fait 45 programmes de formation qui sont à ce catalogue, tout public, puisqu'il y a des formations qui vont être à destination de la direction, d'autres plutôt du management ou des salariés. Certains vont être à destination des référents. Et l'intérêt dans ce catalogue-là, c'est c'est Connection Leadership apporte une vision vraiment conseil, une vision personnalisée, qui va permettre de mettre en musique aussi ces programmes-là, de façon à faire avancer tout au long du cycle de transformation, du cycle de changement, va pouvoir faire avancer votre entreprise. L'idée aussi de ce catalogue, et je parlais de cycle, c'est de pouvoir construire des parcours avec une vraie progression. Là, je mets quelques parcours à l'écran, on vous partage quelques parcours. Le premier étant un parcours qui s'appelle La Flamme, qui permet d'atterrir vraiment sur un plan de transition qui est généralement la formation initiale pour un comité de direction ou pour des managers, afin d'aller plus loin dans la connaissance de ce qu'est la transition écologique, mais aussi d'aller plus loin, surtout dans l'action, de poser les premières pierres de l'action, puisque c'est vraiment là où on en est aujourd'hui, c'est comment me lancer. Eh bien, cette formation-là, elle est vraiment destinée à lancer l'entreprise dans cette action à travers son management et sa direction. Comme je le disais, une bonne deuxième étape peut être de sensibiliser les collaborateurs. Ça peut être un très bon moyen pour faire comprendre le pourquoi et emmener tout le monde dans la bonne direction. Et puis, les fameuses dimensions techniques et humaines, on va les retrouver avec des programmes de formation qui sont différents. Certaines formations qui vont pouvoir porter sur les impacts de la transition, on les a vus, l'eau, les déchets, la biodiversité, l'énergie. Donc, on va avoir des programmes de formation ciblés sur ces enjeux-là qui vont être destinés là aussi à mettre en place des actions concrètes derrière ces programmes. Et puis, des programmes plus liés au leadership de la transition. Comment je peux faire pour mobiliser des personnes en interne, des référents qui vont être en charge de porter en particulier ces mesures qui vont être en charge de déployer la transition en interne de façon très concrète. Et ça va faire le lien avec justement cet aspect de référent. Qu'est-ce que vous pouvez faire en interne pour mobiliser et pourquoi le faire? Alors, j'arrive pas à démarrer ma vidéo, mais c'est pas grave. En effet, on a parlé plusieurs fois là, de la question des référents. Alors, dans certaines entreprises, ça s'appelle les ambassadeurs, dans d'autres. Pour nous, c'est un point extrêmement important du déploiement de la transition écologique dans les organisations et dans les entreprises. C'est d'avoir un groupe de volontaires motivés qui ont envie de faire bouger les choses qui sont soutenus par la direction. C'est aussi extrêmement important. Là, les cas où on voit les meilleures actions, c'est quand on a à la fois un engagement de la direction
et puis un engagement d'un groupe de salariés, de ses volontaires, de ses référents. Alors, on peut les appeler référents transition écologique, référents RSE, Green Team, il y a plein de les collectifs, plein de termes possibles, mais finalement, à chaque fois, on retrouve c'est un certain nombre de bonnes pratiques, et dans ces bonnes pratiques, on voulait vous partager des éléments, peut-être ouais, rapidement, je vais essayer Pardon. de dire quelques éléments rapides, mais un point qui nous paraît extrêmement important, c'est le fait de poser un cadre d'engagement, que ça soit clarifié avec la direction, qu'est-ce qui va pouvoir être fait, sur quel temps, avec quels moyens, est-ce que c'est un certain nombre d'heures qui sont données par semaine, par mois, un certain nombre de jours qui sont donnés à cette activité pour les référents, pour pouvoir animer ça. Après, évidemment, identifier des volontaires, créer un esprit de communauté, autonomiser au mieux ce groupe, c'est-à-dire ne pas lui imposer des choses, mais laisser émerger. Ça, c'est des éléments extrêmement importants pour nous au sein de Connection Leadership avec notre élément de coaching où la question de l'autonomie est très, très importante. Et puis, on voit dans les bonnes pratiques que ce qui marche bien, c'est lorsqu'il y a ce groupe, ces référents organisent des temps forts au sein de l'organisation, de l'entreprise. Les temps forts, ça peut être une journée particulière sur une thématique, ça peut être une semaine sur quelque chose, ça peut être quelques semaines sur un challenge. Mais vraiment, plutôt que de s'épuiser à essayer de faire des choses en permanence, de planifier comme ça tout au long des mois un certain nombre de temps forts. Et ce qui est important aussi, c'est de valoriser les engagements de cette équipe de référents, de faire évoluer cette équipe aussi, de la faire tourner, parce que bah, il y a des gens qui prennent des nouvelles responsabilités, qui ont moins de temps à donner pour une raison ou une autre, ou des raisons personnelles. Et donc de faire évoluer cette équipe et puis la valoriser, montrer l'importance de ça. Et un dernier point qui nous paraissait important à vous partager, c'est le fait que cette équipe, à travers les actions qu'elle va mettre en place, va faire émerger un certain nombre d'actions à mettre en place dans l'entreprise. Et il est important que, y ait un suivi de ces actions, que alors peut-être pas toutes, mais au moins certaines des actions qui sont proposées soient effectivement mises en place. Quand je parle d'actions, là, je suis au-delà des actions de sensibilisation. Là, je parle vraiment de changement à l'intérieur de l'entreprise. Et que il y ait vraiment une écoute qui soit faite sur ces éléments-là. Sinon, bah, ce qu'on a déjà vu chez certains clients, lorsque ce n'est pas mis en place, bah, c'est que finalement, ça revient à avoir un peu de greenwashing, hein, c'est-à-dire on laisse les salariés faire des petites choses dans leur coin, mais tant que ça n'a pas trop d'impact, bah non, la transition écologique, c'est aussi changer sa culture, changer ses actions. Et en tous les cas, la faire évoluer ensemble avec les salariés, avec les collaborateurs. Excellent. Oui, j'ai pas changé sur le bon écran. Hop. Donc, Vas-y. au-delà de cette, je reprends le finalement le cycle de changement de cotère pour vous présenter ce que vous pouvez faire pour concrètement comme action à chaque étape de ce cycle-là pour accompagner éventuellement ou en indépendance évidemment. Mais vous avez de nombreux acteurs qui peuvent vous accompagner aux différentes étapes de ce changement et différentes actions que vous pouvez vous-même mettre en place. L'idée, bon, on l'a vu sur la création de l'urgence, sur le mouvement initial. Vous avez des ateliers et formations, comme on l'a vu avec les quelques programmes de formation et d'ateliers. Afin de former une coalition puissante, l'idée est de se baser aussi sur des chiffres assez concrets, comme le disait Olivier, de mesurer. Pour ça, vous pouvez faire appel à du bilan carbone ou à des bilans initiaux sur la question des déchets, sur la question des eaux. Pour ça, vous avez différents acteurs sur lesquels on peut vous orienter. Ou nous-mêmes vous proposer des conseils. Vous avez la question de la formation des référents qui vient d'être abordée assez largement, qui fait partie des programmes Connection Leadership. Par ailleurs,
sur la suite et sur la création d'une vision, sur la création d'une raison d'être, que vous le fassiez de façon descendante, c'est-à-dire avec des décideurs qui vont réfléchir en atelier. Il peut être important d'avoir des personnes qui vont être experts de l'animation, qui vont l'avoir fait avec d'autres entreprises pour pouvoir vous aiguiller sur comment déterminer une nouvelle raison d'être. Et puis, il peut être intéressant aussi d'interroger vos salariés sur cette raison d'être. Il y a des, c'est la façon de procéder de pas mal d'entreprises sur la question. Pour l'incarner au mieux, finalement, comment définir une raison d'être qui va être celle de tous dans l'entreprise? Par ailleurs, sur l'étape suivante, qui est celle de la communication, vous avez là aussi des formations qui peuvent vous aider, mais vous avez des agences évidemment en externe et vous avez la question des labels qui sera une question qu'on pourra peut-être aborder dans un futur webinaire. Comment être labellisé, comment faire reconnaître son état d'avancement dans la transition, comment communiquer avec un maximum d'objectivité. C'est ce que peuvent vous aider à faire les labels. Et là-dessus, on peut aussi être une ressource avec des experts sur la labellisation et le respect de certaines normes. Par la suite, vous allez forcément avoir à mobiliser vos salariés, les référents d'entreprise, les parties prenantes, comme on a pu le voir. La définition des premières victoires à court terme, ou pour atteindre ces premières victoires à court terme, vous pouvez avoir besoin d'aide pour des ateliers de plan d'action. Avec des méthodes pour faire converger au mieux l'ensemble des décideurs de ces actions et aider aussi les équipes projet qui sont en charge de les mettre. Par la suite, dans la fonction de la raison, en fonction de la raison d'être, on peut être amené, vous pouvez être amené à demander du conseil sur de l'analyse, du benchmark, des ateliers de transformation culturelle. Et là encore, pour ancrer un peu plus profondément la transformation, puisque on va vraiment jouer sur les comportements, c'est cette dimension d'atelier et de créativité va être importante pour faire converger là aussi toute votre entreprise dans le même mouvement. Donc l'idée, c'est qu'ici, évidemment, Connection Leadership peut être un acteur, et dans la suite des slides, on va aussi vous donner d'autres sources très concrètes vers lesquelles vous orienter. Pour passer ces différentes étapes. On avait envie de partager aussi avec vous un autre outil qui peut être intéressant. Là encore, à travers l'aspect des compétences, qui est un outil qui est proposé par Connection Leadership, par d'autres acteurs à travers le territoire et finançable par votre OPCO, l'OPCO 2i, c'est le diagnostic transition écologique pour les compétences, le diagnostic compétences transition écologique, qui est destiné à savoir, à faire un état des lieux des compétences que vous avez aujourd'hui en entreprise et faire une analyse d'écart un petit peu avec celles dont vous aurez besoin, ces compétences, pour servir votre projet de transition. Donc l'idée, c'est que ce diagnostic-là, il peut intervenir à partir du moment où vous avez défini un plan de transition, où vous avez déjà en tête là où vous voulez aller et donc il va être destiné à savoir quoi mettre en œuvre au niveau de vos compétences pour le servir au mieux. Est-ce que vous allez avoir besoin de recruter? Est-ce que de la formation peut vous aider? Est-ce que de la mobilité interne peut vous aider? C'est ces questions-là auxquelles peut répondre le diagnostic, qui est établi par un binôme d'expertise, en fait, entre des compétences d'expertise RH et puis d'expertise transition écologique, que l'on va mêler au mieux pour produire un bilan et vous aider à avancer au mieux sur le déploiement finalement de votre plan de transition grâce à l'amélioration des compétences que vous aurez en interne. Voilà un petit peu une des étapes, un des services qui peuvent vous être proposés pour vous aider dans votre déploiement. Ouais, tu mentionnais, Alexandre, les autres possibilités d'accompagnement. En effet, il y a plein d'acteurs qui peuvent vous aider dans la transition écologique. L'ADEME, évidemment, l'Agence pour la transition écologique,
qui a un catalogue riche de formations, de conseils. Ils ont mis en place une méthodologie qui s'appelle la méthodologie ACT Act pour suivre tout un des plans et les stratégies de transition écologique. Donc avec le site qui s'appelle Agir pour la transition .adem.fr avec le volet entreprise. Vous trouverez aussi auprès de la BPI des offres de services et de formation autour de la transition écologique. Et puis les chambres de commerce et d'industrie sont très très actives et de plus en plus pour vous accompagner avec des bilans, avec des éléments de mise en contact auprès d'autres acteurs. Et ils réalisent de plus en plus, en particulier la CCI de l'Île-de-France là est très active en termes de publication. Ils ont publié un très très bon rapport sur la sobriété à l'aune des modèles d'affaires des entreprises qui est vraiment excellent. Sur la slide suivante, on a aussi listé deux autres, alors pas acteurs, mais deux autres sites qui peuvent être très intéressants pour vous. Le premier, c'est le portail RSE, qui s'appelait avant, je crois, le portail Impact. Le portail RSE, on vous enverra, alors je fais une petite parenthèse, on vous enverra cet après-midi le replay de ce webinaire et un email avec l'ensemble des liens utiles que l'on a évoqués tout au long. Donc, vous aurez ça dans votre boîte mail tout à l'heure. Donc, ce portail RSE qui vous permet de manière individualisée, c'est-à-dire en rentrant votre SIRET, de savoir quelles sont les réglementations autour de la RSE et d'avoir un certain nombre de propositions dans un tableau de bord. Et puis, en parallèle, un autre site qui s'appelle Mission Transition écologique du gouvernement. Qui est dédié aux TPE et aux PME. Et à nouveau, en rentrant son SIRET, on a un certain nombre de suggestions, de propositions pour aller autour de la transition écologique. Donc, beaucoup de support, beaucoup de soutien. Alors parfois, c'est un peu confus. Il y en a tellement qu'on ne sait plus quel soutien demander. Mais en tous les cas, il y a plein de choses, plein de sources possibles pour vous accompagner autour de ces sujets de la transition. Effectivement, et puis en question-réponse, on a des personnes qui rappellent aussi leurs ressources. Bon, l'OPCO2I qui peut être évidemment une ressource pour vous accompagner. Pacte Industrie qui est une action de l'ADEME qui propose à partir d'aujourd'hui des webinaires également sur la transition écologique. Et puis on a une question d'une personne qui nous demande si des échéances réglementaires obligatoires vont être à respecter par les entreprises. Ça fera l'objet justement potentiellement d'un webinaire spécifique dans l'année. Après, je pense que déjà, on peut peut-être citer un des potentiels bouleversements pour certains que va représenter la CSRD, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est la nouvelle réglementation européenne sur le reporting extra-financier finalement, et qui a un échelonnement selon la taille d'entreprise. Vous verrez renseigner déjà sur cette CSRD qui va concerner petit à petit jusqu'en 2028 toutes les entreprises européennes, mais et qui concerne les entreprises cotées à partir de cette année déjà. Voilà. Donc ça, Oui, c'est alors celle à laquelle je pense. peut-être juste pour préciser, donc en effet, la CSRD s'applique sur l'ensemble du périmètre européen. À part cette année, pour 2024, donc ça sera le reporting extra-financier qui sera publié en 2025 sur les données 2024, qui concerne toutes les entreprises qui étaient déjà soumises à la DPEF française, c'est-à-dire en gros les entreprises de plus de 500 salariés. Et pour l'année suivante, ça sera les entreprises à partir de 250 salariés ou 40 millions de chiffre d'affaires qui seront impliqués. Et ensuite, l'année suivante, les entreprises à partir de je ne me souviens plus exactement le seuil, je crois que c'est de 10 à 250 salariés. Donc au-delà de 10 salariés, avec a priori, il y aura un reporting allégé. Qui sera proposé pour ces entreprises-là.
Mais en effet, il va y avoir cette réglementation extrêmement importante pour les prochaines années. Et sur le Qui reste est, des qui, qui est, ouais, réglementations, ouais, sur le reste des on reviendra. réglementations, l'idée est de revenir dans un prochain webinaire, effectivement, en essayant de creuser un petit peu plus sectoriellement ou par taille d'entreprise, selon vos désirs, entre guillemets aussi, puisque le prochain webinaire qui sera à la mi-mars, que l'on organisera, sera sur les aides et financements disponibles pour la transition écologique. Donc, on fera un focus sur ces aides et financements. Il y aura peut-être une petite partie réglementation également. Et sinon, on voulait vous proposer pour les suivants, c'est-à-dire à partir d'avril, de lancer un sondage donc, auquel vous avez la possibilité de participer dès maintenant. Donc le sondage est lancé, vous pouvez y participer dans l'application pour savoir quels pourraient être les thèmes prioritaires à aborder à partir d'avril, donc dans nos prochains webinaires. Donc vous avez la possibilité d'y répondre dès maintenant. Merci beaucoup pour vos réponses. On essaiera en effet de regarder ça pour essayer de prioriser les différentes thématiques et vous proposer les thématiques qui sont au cœur de vos préoccupations. On a plein d'autres idées de thématiques en tête. On intercalera peut-être celle-là au fur et à mesure, mais c'est intéressant pour nous d'avoir vos premiers retours. Peut-être laisser le sondage rouler. De toute façon, on va Oui. pas. Voilà, on va pas le conclure, ça c'est plutôt pour On va nous, le pour laisser savoir. ouvert, oui. Voilà, on va le laisser ouvert. Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas le chat n'est pas activé, on est un petit peu embêté, mais on voulait quand même vous demander avec quoi vous avez envie de repartir. Si vous deviez dire un mot, alors peut-être vous pouvez nous le donner dans le QR, dans le questions et réponses, et puis on le citera à l'oral, mais si vous repartez avec un mot, quel est le mot avec lequel vous repartez pour aujourd'hui? On est presque à l'heure. Vous pouvez nous le partager en questions-réponses et on va vous les. En question-réponse, on nous dit merci déjà. Merci. Merci à vous d'être venus si nombreux. Est-ce qu'il y a un mot avec lequel vous repartez, un mot-clé, une chose qui vous a marqué aujourd'hui ou une action que vous avez envie d'entreprendre? On a action, on a éclairant qui nous est partagé. Enthousiaste, prise de conscience, férocité des phénomènes, tout de même. Et oui. On est conscient, il y a cette question de l'urgence, en effet, hein, qui est très importante et prégnante. Le Le schéma de chaîne, John ouais, Cotter. John Cutter, ouais. On vous conseille d'aller chercher un petit peu un auteur qui a écrit des livres relativement accessibles, hein. Pas de la grosse théorie très complexe, c'est très accessible et très intéressant. Ravi qu'on ait aussi donné envie de s'y mettre. En tout cas, c'est ce que partage Nelly. Engagement citoyen de tous, partagé par Frédéric. Opportunité. On voulait vous remercier, nous aussi, à notre tour, d'être venus si nombreux pour ce premier webinaire. On espère que ça va être une longue série dans laquelle on fera intervenir nos différents intervenants experts au fur et à mesure des thématiques. Donc, ça ne sera pas toujours Alexandre et Olivier, ce sera plein d'autres de nos intervenants, de nos formateurs, de nos coachs, de nos consultants. Pourront venir vous éclairer sur différentes thématiques. Exactement. On vous donne rendez-vous au mois prochain. On vous enverra par email la date exacte qui est en train d'être fixée, qui sera aux alentours de mi-mars. Et on va essayer Exactement. de garder cette régularité à peu près À la moitié du mois. à la moitié du mois, aux alentours du jeudi, à peu près sur l'heure du déjeuner. Entre 11h et 13h. Exactement.
Donc, ben, encore un grand merci à tous pour votre participation et pour vos nombreuses participations sur les échanges. La prochaine fois, on activera le chat, ce sera plus sympa pour tous. Ouais, Et écoute. donc, ben, on se dit au mois prochain pour un thème qui sera très concret sur les aides et financements. Excellente journée à tous. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.